Prenez une position confortable. Détendez-vous. Et fermez les yeux. Revenez, ramenez la conscience. Et prenez conscience de votre état d'esprit. Ce qui naturellement amène plus de chi et d'information dans la conscience elle-même, la rend plus claire, plus présente, plus éveillée. Toutes les informations et le chi circulent bien. Prenez conscience du centre de la tête, le palais de Shenqi. Ce n'est pas une zone mystique ou ésotérique. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. C'est au contraire simplement une zone dans laquelle le champ de chi des cellules neuronales a fusionné pour donner un espace à l'intérieur de la tête qui est un espace physique autant qu'un espace de chi dans lequel les cellules neuronales ont fusionné très profondément. Ce qui permet la base pour la conscience humaine d'exister. Nous, ce que nous faisons en disant Shenji, en observant le centre de la tête, c'est d'intensifier et de purifier ce champ de chi, puisque c'est celui qui est à la base de notre conscience. Ça n'a rien de mystique ni de mystérieux. Ça peut être étonnant, voire surprenant, mais dans cette zone du cerveau, le cerveau a atteint un niveau d'évolution qui a permis la conscience humaine. Et cette évolution a commencé depuis l'aube des temps. Ça a été un processus continu depuis l'apparition de la Terre. Toutes les formes de vie n'ont eu de cesse d'évoluer et de se développer. Et c'est grâce à la zone du centre du cerveau que l'évolution de la conscience humaine a pu être possible, ce qui a permis à l'humanité de développer une capacité d'abstraction, de conceptualisation qui n'appartient qu'à elle sur Terre. C'est grâce à cet espace, grâce à cette zone, au centre de la tête, c'est le support physique de la conscience. Donc si nous l'intensifions, la conscience devient plus intensifiée, pure, claire, plus puissante et plus tranquille, détendue. Plus douce et sensible. Et reflète
la réalité de manière plus réelle, en accord avec la réalité. Cela purifie nos habitudes de pensée, nos schémas. Et permet à Yuan Ti Chi, le Chi de la conscience, de devenir abondant. De circuler librement. Et toutes les fonctions de la conscience se répare, se transforme et de nouvelles fonctions peuvent apparaître, de nouvelles capacités peuvent se développer qui ne seront pas tout à fait normales. Et l'amour la gratitude l'ouverture d'esprit la sagesse ces belles qualités dont nous avons bien besoin pour nous-mêmes comme pour toute la société. Tout ça se développe en même temps. C'est pour ça que la pratique de Shunji, de l'observation du centre de la tête, est une pratique très bienfaisante et transformatrice. Tout notre système nerveux dépend de la santé de cette zone. Plus le palais de Shunji, plus le centre de la tête est harmonieux, ouvert et abondant, alors plus le système nerveux est en bonne santé. Abondant, ouvert et circule bien. Ce qui fait que la conscience fusionne de mieux en mieux avec le corps de Qi. Toutes les cellules neuronales se relâchent, se détendent. Les cellules cérébrales se relâchent, se détendent. La porte du ciel, gentiment, s'ouvre. Nous allons dire Shunji et observer les vibrations à l'intérieur pour purifier le palais de Shunji
palais de Shunji s'harmonise avec tout le Tantien supérieur. Pure Chi Space, pur espace de Chi. Avec un léger sourire, comme une douceur. Comme une tendresse. S'harmonise avec tout le corps de Chi qui s'ouvre, les cellules cérébrales relâchent, le corps de Chi transparent, pur, fin. Ouvert. Et la conscience devient de plus en plus détendue. Et notre intention d'observer de plus en plus relâchée, ouverte, stable et en même temps très détendue. Les organes de Chi se relâchent et s'ouvrent.
tout le corps de chi et la conscience. S'illumine. Tout est très pur et ouvert. Uni avec le champ de conscience et d'amour. Avec tous les gens que nous aimons. Avec l'univers. Vous pouvez faire l'expérience des pauses entre deux shenji. Où naturellement il ne se passe rien d'important. Où tout est calme. Et de plus en plus profondément, des transformations s'opèrent. La vibration résonne. Dans tout le corps de chi. Et se propage. Dans le champ de conscience. Ensemble, nous sommes de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Et nos consciences s'illuminent et s'inspirent, se soutiennent. Avec toutes les consciences du champ de conscience.
tous les êtres qui consciemment aiment. Ont de la compassion. Cultivent la sagesse et l'éveil. Avec tous les êtres, les animaux et la nature, l'univers. La conscience est très très sensible et des vibrations très fines sont perçues. Corps de chi perd ses limites, elle s'estompe, la différence entre intérieur et extérieur devient confuse. Et l'espace s'unit. Nous sommes dans un très bel état de calme, d'unité.
clair et transparent. Maintenant, nous allons utiliser cet état pour transformer le corps de Chi. Rendre le Chi abondant et circuler librement, améliorant toutes les fonctions. Alors naturellement, les maladies vont se transformer, les désordres vont s'organiser. Ne revenez pas à des informations de maladies comme si elles étaient réelles, uniquement matérielles. Vous pouvez faire l'expérience en cet instant que notre réalité n'est pas que matérielle. La réalité du chi, de l'espace et de la conscience est tout aussi réelle que la réalité matérielle. Faites confiance à votre expérience. Validez que cette expérience est réelle. La réalité du chi est tout aussi réelle que la réalité matérielle. Observez à l'intérieur du Tantien supérieur Continuez à dire Shunji. Ton tien supérieur s'illumine. L'intérieur de la gorge et du cou. S'illumine, transparent.
ouvert. Les épaules à l'intérieur. Les bras, s'illumine. Les coudes. Les poignets. Les mains et les doigts. Tout s'ouvre, transparent, lumineux et vide. La poitrine, le tantien médian. Le cœur, souriez à votre bon cœur. Tantien supérieur, le cou, la gorge, les épaules et les bras. Tantien médian sont un même espace qui s'illumine, transparent, sous le cœur, sous et se transforme
Observez, c'est guérir. Observez, c'est aimer. C'est transformer. C'est prendre soin. Plus on observe des espaces profonds, sensibles, naturellement, ces espaces se transforment. Sans acte de volonté, c'est le fait d'en prendre conscience et de les observer qui mélange la conscience avec. Et cela change. Observer, c'est un acte d'amour, de compassion envers nous-mêmes, envers la vie. C'est un acte de tendresse et de douceur. Nous prenons soin de nous, soin de nos bons organes, de notre espace intérieur. C'est comme faire le ménage. Et ça se passe d'une manière si douce qu'il n'y a qu'à observer, avec un bon cœur, un léger sourire, et de laisser l'espace lui-même se déployer et s'ouvrir. Les poumons, les poumons s'illuminent, transparents, ouverts, s'harmonisent avec le tantien supérieur. La poitrine, les seins, transparent, vide. Souriez légèrement au sein, tout l'avant de la poitrine. Et observez pour vous-même si l'espace vous le pensez comme plus physique, plus un espace de chi ouvert et spacieux, avec une limite floue, un contour flou qui le relie dans un même espace à tout le champ de conscience et d'amour. Tout le tantien médian s'illumine et s'ouvre.
La colonne de chi. Les cervicales s'illuminent, transparentes, sous tes thoraciques s'illuminent, transparentes, sous des lombaires. Du sacrum. Du coccyx. Des hanches. Et des jambes. Tout s'illumine et s'ouvre. Toute la colonne de chi, Paéwe, la porte du ciel, se relâche. Relâchez la porte du ciel. Yongchuan, la plante de pied, doucement se déploie. Laogong, les paumes de main, à l'intérieur du tantien inférieur. Tout le corps de Chi uni dans l'univers, harmonieux. Transparent, clair et lumineux. Silencieux, infini. Le temps de tienne inférieur à l'intérieur. L'espace à l'intérieur s'ouvre comme l'univers. Le foie, vinyle, se détend, sous la vésicule biliaire, vinyle, se détend. Le pancréas,
Ce vide s'ouvre et se centre. La rate vide transparente s'illumine et s'ouvre l'estomac s'illumine. Souriez à l'estomac. Tout circule librement dans l'estomac. Les intestins. Vide, transparent. Sous les reins. S'illumine, tous les organes internes s'illuminent, s'ouvrent, s'harmonisent ensemble. La vessie, le système reproducteur, vide et transparent, dit Chunji silencieusement. Le bassin, les sacro-iliaques sous les hanches, sous les jambes, sous les cuisses.
s'illumine profondément à l'intérieur, vide, sous les genoux, vide les mollets, les chevilles et les pieds, sous les jambes, le bassin, la colonne de chi, chaque vertèbre se relâche et l'espace entre les vertèbres s'ouvre, 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 s'ouvre. Toute la colonne de chi se recentre, s'harmonise avec la porte du ciel et l'univers. Rui-in et l'univers. Tout le corps de chi. S'harmonise avec le champ de conscience et d'amour. La peau sous les muscles, les tendons, les ligaments, système nerveux, sanguin, les os et les articulations, les moelles, les organes. Tout est pur et lumineux, fusionne dans le champ de conscience et d'amour. Tous les blocages se libèrent. Avec tous ceux que nous aimons, avec tous les êtres du champ de conscience et d'amour qui nous soutiennent. Merci. Avec le docteur Pang, le professeur Wei et tous les professeurs. Merci. Avec tous les enseignants du docteur Pang et les enseignants des enseignants, tous les élèves, leurs familles, leurs amis, tous ces gens qui font que maintenant, nous sommes ici à pratiquer ensemble. Merci. Et tous ces gens qui, après nous, continueront. Jusqu'à perte de vue, jusqu'à l'infini. Merci. Pour tout ce beau moment et pour nous-mêmes qui prenons le choix d'être ici. Merci. Tout notre beau corps de chi, nos beaux organes, tous nos beaux tissus. Merci pour toute la vitalité qui nous nourrit, qui nous permet d'être vivants. Merci pour la conscience et la possibilité d'être conscient.
Merci. Avec tous les êtres, toute la nature qui nous nourrit, les animaux, l'air qui nous permet de respirer, l'eau qui nous désaltère, toute la nature. Merci. Et avec l'univers et son chi pur. Merci. Merci bien d'être là aujourd'hui et de permettre ce moment. Doucement, prenez une balle de chi. Soulevez-la à l'avant. Jusqu'en haut, déverser le chi passe au travers du tantien supérieur, du cou et de la gorge. Tantien médian, tantien inférieur, superposer les paumes de main sur le nombril. Passe au travers des jambes, tout le corps de chi s'illumine. Prenez conscience du palais de Mingmen, l'arrière du Tantien. Nourrir le Qin, l'amour et la conscience. Laissez-vous aller pour un moment. Prenez conscience de votre foyer, de votre foyer, ses possessions, le champ de chi pénètre partout, les plantes, les animaux, les gens, les membres de votre foyer, de votre famille, tout ce que vous aimez. Tout le champ de conscience et d'amour, toute l'humanité, les animaux, les plantes, la terre et l'univers. Merci. Séparez les mains doucement. Bougez librement pour vous sentir. Ah, voilà.
Voilà. Partout, tout est rare, là. Massez le visage doucement. Ah, voilà. Plein de chi, très profond à l'intérieur. Tendre et doux. Plein de bonne vitalité. Toute notre vitalité a été grandement améliorée. Nous allons bien mieux. Nous sommes en harmonie avec la nature et l'humanité, tous les êtres. En harmonie avec nos organes, notre conscience et notre corps de chi. Nous sommes pleins de vitalité, toutes nos fonctions sont meilleures, toute notre santé est bien meilleure. Nous sommes bien plus beaux. À l'intérieur et à l'extérieur, bien plus vivant, bien plus humain. Et nous en avons fait profiter tous les êtres. Quelle merveilleuse manière de commencer la journée. Pour nous comme pour tous les êtres, tout va mieux. On peut penser que c'est une sorte de mission. Améliorer notre vie et améliorer la conscience, la vie de tous les êtres en même temps. C'est spontané. De toute manière, ça arrive. Et si on en a conscience, alors on reçoit le soutien de tous les êtres et on donne son soutien à tous les êtres. Et les effets sont bien plus grands, bien plus transformateurs. Ça a bien plus de sens que simplement chercher à faire évoluer soi-même. Séparément. Nous pouvons toujours être dans le champ de conscience et d'amour. Il nous soutient et nous le soutenons. Nous pouvons y revenir autant de fois que nous voulons dans la journée et en sortir autant de fois que nous voulons. Il est toujours là, disponible. Ne disparaît jamais. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien.